Salut tout le monde, très très urgent, voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Aujourd'hui, jeudi, voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Aujourd'hui, jeudi 17 août 2023. Depuis le Niger, le Burkina Faso et le Mali, mes chers amis, partageons la vidéo. La première bonne nouvelle aujourd'hui, une coalition, écoutons très bien. Une coalition des forces armées maliennes, burkinabè et nigériennes ont infligé une grande perte aux criminels terroristes. Ils ont écrasé l'armée malienne, l'armée burkinabè, l'armée nigérienne. On pique neutralisé plus de 100 terroristes dans la zone des trois frontières. Il y a l'alerte partout, les avions, les troupes au sort, les blindés, les fusils, les bruits des canons. Mes chers amis, applaudissons aux forces armées maliennes, burkinabées et nigériennes. Je vais vous montrer les dégâts causés au sein des terroristes. Franchement parlé, ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères du Gabon, écoutons ça très bien, notons ça. Le président du Gabon, Oumar Bongo, vient de porter son soutien aux nouvelles autorités du Niger. Le président du Gabon, Ali Bongo, a envoyé son ministre des Affaires étrangères au Niger. Je vais vous montrer les images tout de suite. Nous venons d'apprendre une autre bonne nouvelle aujourd'hui. L'opposition, les politiciens ghanaïens, et les chefs coutumiers se sont tous donné la main pour lancer un avertissement au président Nana Akufo-Addo contre une intervention militaire au Niger. Mes chers amis, nous allons commencer avec les gros titres. On a commencé avec la coalition. Maintenant, regardons ce que l'armée malienne, l'armée burkinabé, je vous dis, c'est fini pour les terroristes. C'est terminé pour les terroristes. Voilà ce que la France évitait. Vous voyez aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne sont tous unis aujourd'hui pour combattre les terroristes. Et Dieu merci, ils arrivent à écraser les terroristes dans la zone des trois frontières. Bravo aux forces armées des trois pays, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Mes chers amis, voici les images des dégâts. Ouais, il y a des drones, il y a des hélicoptères, il y a des chars, il y a des blindés. Il y a des avions de SASH du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Le ciel devient très, très, très. Même les vautours commencent à applaudir sur cette victoire. Regardons. Voyez les drones. Voilà. Voyez les terroristes au sol. Voici là. Voilà. Les armes saisies. Voici les armes que les terroristes possédaient pour tuer les peuples maliens, les peuples nigériens et les peuples burkinabés. Voilà. C'est ça qu'on dit, l'union fait la force. Voilà pourquoi on dit l'union fait la force. C'est cette union que la France ne veut pas. Aujourd'hui, c'est fini pour les terroristes. Les terroristes ne peuvent plus aller se cacher ni au Niger, ni au Mali, ni en Algérie. Parce que la Russie a averti l'Algérie. Aujourd'hui, c'est fini pour les terroristes. Regardons maintenant les autres. Comment vous voyez ces armes-là? L'armée française étant au Niger n'a jamais vu ces armes. C'est l'armée des trois pays. Voyez les motos récupérées. Voici les motos récupérées aux mains des terroristes. Voilà les motos que les terroristes possédaient. Il y avait l'aviation malienne, burkinabé et nigérienne. Il y avait des avions. Même les ciels, on ne pouvait même plus voir le ciel. Tellement il y avait des avions, tellement il y avait des bombardements. Certains terroristes sont allés se cacher dans les grottes, dans les montagnes. Certains terroristes ont rasé leur barbe. Les touristes ont même essayé de porter les pantalons shorts là. Donc ils portent les longs pantalons, les cravates,
Ils commencent même, les terroristes commencent même à porter même les caravates aujourd'hui pour échapper aux puissances de feu des deux armées, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne. Bravo aux trois pays. C'est l'union qui fait la force. Voilà ce que nous avons besoin. Voilà les libérateurs de l'Afrique qui viennent d'arriver au pouvoir, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et Inch'Allah, nos parents vont bien dormir. Inch'Allah, avec l'aide du bon Dieu. Restons debout et donnons-nous la main les uns et les autres. La lutte ne fait que commencer et c'est fini pour les terroristes. Alassane Ouattara ne va pas dormir aujourd'hui. Parce que cette coalition va marcher. Et Inch'Allah, nous allons gagner contre les terroristes. Voilà, voilà comment on appelle là, la première phase. La deuxième phase, qu'est-ce qu'on a dit ici? Une coalition des forces armées du Mali, du Niger et du Burkina Faso a détruit un grand nombre de terroristes dans la zone des trois frontières. Au total, des centaines de terroristes et leurs véhicules, des armes et des munitions récupérées. Des centaines de terroristes neutralisés, des bases terroristes complètement anéanties à travers la puissance de feu des trois armées. Enfin, voilà la dynamique que les alliés du terrorisme ne veulent pas, car ils seront tous neutralisés et foulés du Sahel. Voilà, c'est ça qu'on a besoin. Si la CEDEAO venait aider les trois pays, on allait finir avec les terroristes. Au lieu de s'asseoir, Alassane Ouattara, il faut que Bazoum vienne au pouvoir. On dirait que le Niger appartient à Ouattara. Voilà des gens qui ne se soumettent. Nos parents n'arrivent plus à dormir. Nous avons perdu nos champs. Nous avons perdu nos maisons. Ont été brûlées par les terroristes sous les yeux de la France. Les radars français ne voyaient pas ça. Mais lorsque ces pays demandent l'aide de la Russie, ah non, c'est la Russie qui vous pousse. On n'est pas contre la France. Même si le diable veut nous aider, on va tendre la main au diable. La troisième bonne nouvelle aujourd'hui, il y a une grande manifestation de la diaspora. Je dis ça aujourd'hui. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, mercredi et aujourd'hui jeudi 17 août 2023, le président du Gabon, Ali Bongo a envoyé son ministre des Affaires étrangères au Niger. Le Gabon soutient les nouvelles autorités du Niger. Regardons ça. Ouais, voilà ce qu'on a écrit ici. Attendez une seconde. Je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Par ailleurs, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Herman Imongo, est porteur de messages du président Ali Bongo Ondimba. Le président Ali Bongo a envoyé le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères du Gabon a porté aujourd'hui un message du président Ali Bongo destiné au président du CNSP, le général de brigade Tiani Abdraman. C'est fini, oh. Vous voyez les images? Alassane Ouattara va mal dormir ce soir. Macron ne va pas bien dormir. Et puis j'ai beaucoup d'autres révélations que je vais vous dire tout de suite. Et regardons. Le ministre des Affaires étrangères, le président du Gabon a envoyé son ministre des Affaires étrangères pour soutenir le peuple nigérien. Regardons encore. Par ailleurs, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Herman Imongo, est porteur de messages du président Ali Bongo Ondimba. Ça, c'est le et la troisième.
Troisième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, partagez la vidéo. Le Ghana, les politiciens ghanéens se sont mobilisés contre le président ghanéen. Je vais vous montrer un passage d'un frère. Voilà. Mes chers amis, très très bonne nouvelle encore. Les chefs traditionnalistes, les rois du Ghana ont averti le président ghanéen contre une intervention militaire au Ghana. Écoutons le passage d'un frère qui dévoile tout ici. Écoutons cela. Ouattara, pourquoi Macky, pourquoi Talon ne pense pas à ce que le Ghana vient de faire? Est-ce qu'il y avait quelqu'un plus anti-putsch que Akufo-Addo du Ghana? Mais hier, sous l'impulsion du roi du Ghana, que nous saluons avec déférence, avec respect, le roi Chanty, Nana Otumfo Osei Tutu II, le roi, le grand roi Chanty du Ghana, sous son impulsion, Akufo-Addo a baissé la tête. Il a eu honte parce que les Ashanti lui ont dit, nous sommes cousins avec les Haoussa. Si vous ne connaissez pas l'histoire des Ashanti, allez vous faire foutre. Ils n'ont pas utilisé le mot, allez vous faire foutre, mais c'est comme si c'était fait. Nous saluons avec déférence le roi Ashanti et nous félicitons quand même Akufo-Addo d'avoir compris un message de sagesse. C'est ce que j'ai dit ailleurs, les messages de sagesse sont vilipendés et traînés dans la boue, comme je vous ai dit, le gros ventru qui vilipende le Togo. Voilà. Donc, vous voyez maintenant. Quand vous regardez les pays anglophones, le Ghana, le président ghanéen a écouté son peuple. Les rois, les chefs des villages, les chefs traditionnels du Ghana, on dit au président ghanéen de ne pas envoyer les militaires ghanéens au Niger. Le président du Ghana, Nana Akufo, a attendu. Voilà pourquoi tu ne vas jamais entendre le Ghana en train de dire qu'ils vont envoyer les troupes. Le Ghana est resté silencieux. Parce que le président ghanéen est respecté, très bien éduqué, un président bien éduqué. Vous voyez, les anglophones sont plus dignes que les présidents francophones. Je le dis encore, les présidents, les pays qui ont été colonisés par l'Angleterre en Afrique, comme le Ghana, le Nigeria, les présidents de ces pays-là, actuels, là où je vous parle, ont plus de respect à leur peuple que certains présidents francophones comme les Alassane Ouattara. Même si Dieu parle à Alassane Ouattara, même si le bon Dieu descend pour dire Ouattara, il ne faut pas aller là. Ouattara va dire, Dieu, pardon, je vais demander à Macron d'abord. Vous voyez, le président du Nigeria, quand les sénats du Nigeria ont averti, les Hausa, les Yoruba ont averti le président du Nigeria, le vieux père est resté à l'écart. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, ne parle plus. Parce qu'il a peur de son peuple. Parce qu'il respecte sa racine. Parce qu'il respecte sa culture. Il ne veut pas bafouer ça. Et aujourd'hui, ces pays anglophones écoutent leurs ancêtres. Écoutent la parole de leurs ancêtres. Mais même si les chefs, les imams, les chefs traditionnels, les rois de la Côte d'Ivoire parlent à Ouattara, même si Dieu dit à Ouattara de ne pas aller, il va partir. Parce que ces francophones, c'est des vallées de l'Occident. Ils n'ont aucun respect pour leurs ancêtres. Voilà pourquoi ils finissent très mal. Vous voyez les pays anglophones? Ouais, les pays. Il y a certains pays francophones aussi qui sont bien, comme le Tchad. Le Tchad a reçu le... Mais la plupart, beaucoup de pays francophones, le problème, l'intervention militaire contre le Niger est prononcée par deux pays francophones. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire à travers Alassane Ouattara et Macky Sall. Même si Dieu dit à Macky Sall de laisser Songo, Macky Sall ne va jamais laisser Songo. Les présidents des pays francophones, la plupart d'entre eux n'ont aucun respect envers Dieu, n'ont aucun respect envers leur peuple, n'ont aucun respect envers leur tradition. Parce qu'ils sont comme ça, ils ont été éduqués comme ça. Ils n'ont aucun respect envers eux-mêmes. Ils n'ont pas honte aussi. Ils n'ont pas dormi dans la même chambre que le mot honte. Mais les présidents anglophones, quand les chefs traditionnels ont parlé au Ghana, le président ghanéen a baissé la tête parce qu'il les respecte. Même s'il est un vieillard de 200 ans
en Côte d'Ivoire vient parler à Ado, Ado ne va jamais écouter. Le dieu de Alassane Ouattara, c'est Macron. Le dieu de Macky Sall, c'est Macron. Même si Dieu descend pour dire à Alassane Ouattara et Macky Sall de ne pas aller au Niger, ils vont dire à Dieu d'attendre d'abord qu'ils vont consulter Macron. Voilà leur mentalité. Ils sont nés comme ça. Ils vont mourir, ils ne vont jamais changer. Ils ne vont jamais changer. Vous voyez, voilà des exemples. Voilà des exemples. Donc vraiment, nous allons faire rapidement la version française et la version bambara. Donc, Malion, Amena Bamananga Rofosano. Et Kanyefo Bela Djelingena. Malion, Amena Bamananga Rofosano. Aba Aketo Im Segon. Malion, très très urgent et très très bonne nouvelle. Malion, bi nouvelle ou Kadisa. Nouvelle du Mamba ou de Baby. Malion. Et j'ai oublié une chose avant d'aller en version bambara. Il y a une grande manifestation. Voilà. Je m'excuse. J'aurais dû dire ça depuis le début. Il y a une grande manifestation de la diaspora nigérienne. Je vais faire cette annonce le plus vite possible. La manifestation de la communauté nigérienne pour soutenir l'armée nigérienne est prévue le vendredi, demain vendredi 18 août à partir de 9h devant l'ambassade du Niger. 222-04-RT-NW, Washington DC. Il est demandé à tous les panafricains, maliens, burkinabés, nigériens, camerounais, ghanaiens, nigériens, sénégalais, toute l'Afrique est demandée d'être devant l'ambassade du Niger à Washington demain, vendredi 18 août 2023 à partir de 9h du matin. C'est que tout le les politologues, je serai au rendez-vous. Je vais quitter à New York, Inch'Allah, demain pour aller soutenir le peuple du Niger. Moi, c'est que tout le je vous promets, Inch'Allah, si rien n'arrive, Inch'Allah, je serai au rendez-vous à Washington. Je vais quitter à New York pour aller jusqu'à Washington. Nous demandons à tous les panafricains qui sont aux États-Unis de venir tous à Washington pour soutenir le peuple du Niger, devant l'ambassade du Niger à Washington. Voilà un message, une très très bonne nouvelle aussi. C'est vous tous les politologues depuis New York, je serai à Washington demain. Donc, la communauté, tous les panafricains qui sont à Washington et qui sont ailleurs, si certains ont les moyens de faire les déplacements, nous prions à tout le monde, c'est la libération de l'Afrique qui commence maintenant. Après le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est cette coalition qui va libérer toute l'Afrique. Inch'Allah. Rendez-vous, c'est vendredi 18 août à 9h devant l'ambassade du Niger à Washington. Nous allons soutenir l'armée nigérienne. Inch'Allah. Donc, Amena Bamananga Rofosano. Et Malion, très très urgent et très 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 bonne nouvelle. Malion, nouvelle du Mamba ou de Baby. Comme Mali Sourassou, Burkina Sourassou, Ani Niger Sourassou de Djeraki, Tege de Nyogoma. Malion, zone de trois frontières et Nyogonche. Avec la information Mindama, bi, jeudi 17 août 2023, Mali armée, Burkina armée, Niger armée, où y a terrorisme bouté. Malion, où y a terrorisme, où y a Djanama Tasuma de Siki, terrorisme ou terrorisme keme Yiriga ou de Sara. Ou ka Basika, Betchichi. On va dire bravo à cette victoire. Bravo à l'armée malienne. Bravo à l'armée burkinabé. Et bravo à l'armée nigérienne. Eh Malion, mouron ni son djarabi. Ankuna wolola bi Malion. Oye nouvelle folo foloy. Malion, anye nouvelle flana mousorabi. Abise ka famia. Quoi Gabon? Gabon président, y'a la ka ministre des Affaires étrangères de Black Kataka. Gabon président, y'a la ka ministre de Black Kataka. Kabe, kalebe fenga souteni. Kabe, Niger président souteni. Amet la kofana, imagine ira aoula. Malion, anye information sabana misoro. Quand le prix du sac de farine de 50 kg baisse de 25 000 francs à 24 000 francs. Quand farine, farine, quand farine prix 4 dira, quand me ferai, wa duruni keme nani, si ça kabe ferai, wa nani ani keme shigi. Donc, konyafo, ou yon nouvelle demande konyafo malien de mbela jeringena. Malion, amena do information konana sanno. Ango auma, ngo Mali Arménie, Burkina Armée, ayoro semene fle français là. Yana nga do ouro la tukuni, ko information nan nambe, Malion, ko Ghana présent, ko Ghana ou
Ghana et Dugutila Kao de Faradon Kata for Ghana Prisangana, pour Ghana Prisa Kana son Kataka, Niger bombardé. Ghana Prisango Kayame. A mettre la confana Kala. Malion a information nan namisro. Ko Afrika fefe même Bama Malaya. Afrika fefe même États-Unis Konaya. Kambekata Nyombe, Washington, Chili, vendredi do. Yari Duma Seli Kaka son Madafelala. Ko Bella Jele. Ko Bella Jele Kataka Nyombe. Et Fena Konana. Bergata Nyombe et Niger ambassade là. Bergata Nyombe, Niger ambassade là. Chini, vendredi, son madafela never là. Bergata Nyombe, Niger ambassade là. Donc, c'est où tu as la caméra. Mais quand on a ben, à la soirée, on fera ta manifestation Kayero là. Son madafela never là. Bella Jele ou Lilibe. Donc, Malion, amène nos informations qu'on a là. Sano. Anya Foyana depuis Vilo Damenena. Malion, anya information. Malion, a une information tellement d'osro, si ça. Malion, taré. Afrique, ben a libéré à la terre, mais terroriste ou kako de bana, peu. Bi, jeudi 17 août 2023. Une coalition des forces armées du Mali, du Niger et de Burkina Faso a détruit beaucoup de bases terroristes en tuant des centaines de terroristes et des matériels emportés récupérés. Malion, aïe la gessa, terroristes ou marfaou, ou ka drakaou, ou ta aïe terroristes ou marfaou là. Mali armée de flèques à Tagani, Barake, ani Burkina, ani Niger. Bon, français kunte fait un frangio kaka mouke, un flèque koli kebi, awa makoronte shinobi. Bilahi makoronte shinoko. Shinoko te garaga bon makoronyana. Makoron kunte fait un frangio kaka, alhamdoulaye, un bel frangio kaka bi. Fait du même bembo. Fait du même nyoko frangio. Nia et toi ou serena ou frangio kaka bi. Mali surasou. Burkina Faso, Niger Faso, ou bien des tégés de l'Emmanuel Mabi, ou bien des terroristes bounté. T'as un terroriste l'appelé, n'est terroriste à quoi de banning. Quel est le mec à quoi on fait Mali avion, Mali drone, Mali hélicoptère, Burkina hélicoptère, Burkina drone, allez Niger drone, Niger hélicoptère. Mali avion, Niger avion, Burkina avion, Mali char combat, Niger char combat, allez Burkina char combat, ou bien des mouvements à bi. Allez, t'es ça, Samolo Yébi. La zone des trois frontières, Mali, ni Burkina, ni Niger, frontière, Europe, en fait là. Ou bien, qu'à terroriste ou fradé. Awa, son, il y a que ça, droit, on y mourra, bon, les Français, bon, le code droit de l'homme. Français, j'y car la peu. Amen, non, fait bi. Fagari, dans la terroriste ou kabi. Malion, akabo, terroriste, il fagara bi, keme, yiriga. Ou bien, tu dois yoro, yoro, ou si so. Ou ka draka, ou ka dumini, ou ka karibina, ou ka moto, ou ka marfa, ka bep pochou la bi. Grâce à la puissance de feu de l'armée nigérienne, de l'armée malienne, de l'armée burkinabé. Et fanyi me bengo sa. Bon, tout te fait en a franyon kande, parce que nan franyon kande, ambe avancé di. Bon, ni a avancé tola di. Malion, aye la kaladje. Aye terroriste ou ka moto yi. Ni a terroriste ou ka moto ni tanto. Ou bolla, tellement tasma digiru la. Terroso bolla kuga marfa auto anya tuka marfa ulani anya te terroso ka marfa ula ni ne kai me uya bali uku me kampali ima Niger ima moya to kurita kreni parce que Niger kume fe ne kake bo ima terroso ya kashila ima sera mo ya communiquer ka kunu koni bazu mabla ko terroso ko terroso ko terroso bena Sahel beta alhamdulillah Mali Burkina Niger o sorasi be tikeli ko ma o be ka bunteni dabi. Tentez un plan. Alassane Ouattara ni Macky Sall et particulièrement pour le moment, au cas où Mali armée est maintenant. Mali armée est avancée. Mali armée, Burkina armée, Niger armée, c'est le même peuple. Malion, terroriste qui a coupé des bantons la flèche. Peu. Angana siblene, Angana d'offre à Chessica, Angana Niger supporté. On a ton Malion, on que les mecs ont manifesté son bas de Bourda, on a mis ta Niger soutenu. N'est-ce que vous tournez bien à voyager à travers Washington? Voilà, il faut n'y a qu'à dire. Malion, il y a une nouvelle flamme qu'on a sur le tour de Malion. Quoi Gabon président? Malion, on est là, on a déjà fait. Malion, taré, on a information, demande d'osro. Quoi Gabon président? Ali Bongo, Malion, Ali Bongo, Ode Nana, Malion, Ali Bongo, de Aka, ministre Black Atara, Niger. Kalebe Niger soutenu. Malion, Amaron, Ali Bongo. Voilà. Alors, quand le ministre des Affaires étrangères du Gabon a porté un message du président Ali Bongo destiné au président du CNSP.
et général de brigade Tiani Abdourahamane. Anga nyora la genyo fe. Gabon Fonago Kalebe Niger souteni. Malion bi. Mercredi jeudi 17 août 2023 à Erekaladje. Par ailleurs, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Herman Imongo, est porteur des messages du président Ali Bongo Odimba. Voilà. Sisan, Ali Bongo, Oyaka Soutieke. Malion, bonne nouvelle, flanando, flambe, ameno, nyafo, onyanabi. Eh, Malion, ko Ghana, Massaou. Malion, ko Ghana, Urou de Faranyonka. Ghana, Dougoutri, la Kau. Ghana, la Tibou de Faranyonka. Ghana, Kelengele, na Malion. Malion, bonne nouvelle, mounyote, nina sangono, dobe son agelebi. Ko Ghana, présent, ko Fonabeka, essayer qu'à focaler cette intervention militaire là. Imae, bi, jeudi 17 août 2023, et Djamana Mounoumbe, ni Anglais ou Yuk colonisé, au président Tchamambe, ou Bouga Djamana Odeouname, mais Français Djamana Mounou colonisé, au Djamana Tchamambe, ou Loutouka Djamana Odeouname. Ima Nigeria, président Kalmele et Sanno, parce que Akam, Aoussa Tchokoroba ou Beka ou Liga Kangardai, Hali Ala Djigra, ko Alassane Ouattara Kadabla, Tadabla, parce que au lieu de francophones, c'est les vallées de l'Occident. Au lieu de Toubabou, Djondé, ou Tessrak, Alanya, ou Talado, Takrado. Francis, Djogo, il y a des boules là. Malion, ko Ghana yon de Farlanyonka. Ghana Massaou. Ghana Ouaou de Farlanyonka. Ka Kangarda Ghana Présangé. Takara Taka Niger bombardé. Ghana Présangé au Kayame. Anga ni yorla me Malion. Ah, Alhamdoulilay. Anga djanga ni yorla me nyon fait. Ouattara, pourquoi Maki, pourquoi Talon ne pense pas à ce que le Ghana vient de faire. Est-ce qu'il y avait quelqu'un plus anti-Putsch que Akufo-Addo du Ghana? Mais hier, sous l'impulsion du roi du Ghana que nous saluons avec déférence, avec respect, le roi a chanté. Nana Otumfo Osei Tutu II, le roi, le grand roi argenté du Ghana. Sous son impulsion, Akufo-Addo a baissé la tête. Il a eu honte parce que les Ashantis lui ont dit, nous sommes cousins avec les Haoussa. Si vous ne connaissez pas l'histoire des Ashantis, allez vous faire foutre. Ils n'ont pas utilisé le mot allez vous faire foutre, mais c'est comme si c'était fait. Nous saluons avec déférence le roi Ashanti et nous félicitons quand même Akufo-Addo d'avoir compris un message de sagesse. C'est ce que j'ai dit ailleurs, les messages de sagesse sont vilipendés et traînés dans la boue, comme je vous ai dit, le gros ventru qui vit. Voilà. Donc maintenant, et Ghana Morobau, Tchagorobau, Amasau, Aladalatigou de Farlanyonka, Ghana Morobabe, Ghana Somau, Ghana Donso, Ghana Almanou, Ghana Pasteru, a dougoutri la ka be de Farlanyonka, ou ka moro gana moro ba be de Farlanyonka, kata fo gana président yana, ka gana soko kata guerre ke Niger contre la, gana président ko, ka yame ko pour l'enfo itala, gana président kalmira, hali ala djigira ka fo, hali, kwa di bar tchegoroba ou Farlanyonka, kwa di bar ouroa ou ka Farlanyonka kata fo alasan yana, ka gana ta keleke, alasan mbe taka makoron di folo wuli, ama, jamana mounou beni anglais ou yu kolonize, ani jamana mouni français ou kolonize, amou difference ou yé sisa. A état Sénégal. Sénégal, mon roba de Koumana Macky Sall fait. Kaka songo tuya, ma dabla. Bon. Ama pays francophone ni pays anglophone ou différencié si ça. Hali, tchoroba san keme flatara Alassane Ouattara Deli. Kaka natara Niger kele. Ni magorongo kaka ke abake. Parce que, francier, jamana mounamara complexe bi ni ka befaka. A 80% be complexe bi. Aya, anglais ou ya jamana mounou colonisé. Abe Angleterre daila, Nigeria, Nigeria problème na. Abe Angleterre daila, Ghana problème na. Francis ma Ghana colonisé. Francis de Noronne be Afrika ou na. Francis de Beka Afrika ou ta koukou a Sagoy. Mais ou jamana ou te koke ou. Est-ce que vous voyez? Ou jamana ou te koke. Donc, kanya fongena. Ghana présent. Ayaka jamana ou l'on na me. Ghana présent ou kale teta kele la de. Ghana mouroba be farla nyonka. Jamana mounoube ni anglais ou yu colonisé. Ou l'oubouka mouroba ou na fado. Ou bou bemake ou nafado,
ubu yere ka culture don ubu dambe don awa dambe bula aya président chamana jete karavati ya chamana a président chamana bita soro anga dalba film ne bula ou be basé ou ne bula a il est très rare iga président ay nigeria président chamana je abebe glogibanu de dou pe anglophone nous nous tetwa ou film do parce qu'ils sont attachés à la tradition a anglophone karavati de karo yena fone na ngona sunu donc ama problème donc Alassane Ouattara halli ala digira ka kuma Alassane Ouattara fe Alassane Ouattara te ala la mekoy ayi aba foko ala ne ala ko Alassane Ouattara ki kana tan Niger Alassane Ouattara fo oh ala ijo fo le kande kono meta magoro ngini nga folo salu te ala don ou ta kira don ou bolo ko te sa koy ayi des vieillards de 80 ans ou ta ali miri sayala ou te miri ka fo ni dambe de ni ay Ghana président naje ay Nigeria président naje Oluka jamana oluka chakoroba ni musokoroba kumana doro olu commencera ka trembler olu commencera ka yere yere parce que ubuka moko ba obunya ubuka jamana moko ba obunya moko ba be kumana doro bame mais ay alasa hali Côte d'Ivoire almami hali Côte d'Ivoire karamoko fara nyonka hali Côte d'Ivoire chakoroba be ka fara nyonka bilai kata Alassane Ouattara deli na ya dabla ka kubona abe makoron de wole ni makoron mu fa bodike Macky Sall la même chose. Voilà pourquoi ou l'aventure de Djougouya quoi. Voilà pourquoi ou Tema Satola ou nous Sara ou Satom et Djougouya. Faut y n'avoir mon remède. Parce que vous êtes kafriya mouka à la débarde. A ma différencier de ça. Donc Malion, amena nouvelle sabana na sanno. Et nouvelle sabana du même non. Malion, quand il y a un message par exemple. Malion fait faible États-Unis. Quand Chili, vendredi, Djoumadon, a Béradion sur Washington. Maliens, Burkinabéu, Congolais, Camerounais, Sénégalais, Ivoiriens, Nigériens, Bella Djelenga nyongo sur Washington. Niger ka ambassade dans la Washington. C'est où ton rêve est de voyager. Ni Allah sonama, ambebe nyongo be, ambe taka manifestation ke, Niger moko ka ambassade dans la, ka ira ka fo, kambe Niger sera si mou me fangala, kambou souteni bi, kambou souteni chini, kante bazoum febi, kante bazoum fechini, Maliens, Allah ka hera ke bela djelenga, Alaka barka do mali fanga bela jelena alaka barka do bela jelena ambe bela jelefo.